Je pense que dans toute ma vie, j'ai jamais vu autant de monde dans un couloir. Donc les AFM Téléthon, vous êtes là? Oui! Les génétoniens? Oui! Les hystémiens? Oui! Ils sont là-bas dans le fond, ils viennent de très loin. Alors c'est comme ça. On vous entend. Hein. Voilà. Les génocéphiens? Oui! Et l'Institut de Néologie est à la Pitié-Salpêtrière, donc il y en a peut-être quelques-uns. Oui! Merci, en tout cas, merci mille fois, Mika. Laurence, ce qui est hallucinant, c'est que chaque différent groupe a une tonalité et une note différente. Ce qui veut dire que si vous le faites tous ensemble, on va avoir un accord. Et ça, c'est l'accord du Téléthon. 1, 2, 3. Alors, ils sont tous, et nous avons les familles ambassadrices. 4 de nos 5 familles ambassadrices, parce que le petit Paul, comme tu sais, était sur la table d'opération hier, donc il n'était pas parmi nous. Salut. Et donc nos familles, et les familles de la FM Téléthon. Donc un immense, immense merci d'avoir accepté d'être parrain de ce Téléthon 2024. Un Téléthon... un Téléthon à date exceptionnelle, avec un parrain... exceptionnel. On avait répété avant quand même. Redit avec un parrain. Exceptionnel. Voilà. Et donc, dont on attend un succès exceptionnel aussi, parce qu'évidemment, du succès du Téléthon, c'est là où on fait monter la pression pour sur le parrain. Du succès du Téléthon dépendent toutes les actions qui sont menées par la FM Téléthon et par les laboratoires que finance la FM Téléthon. Donc, encore une fois, merci mille fois d'avoir accepté d'être parrain de ce Téléthon 2024. Il ne faut vraiment pas vous remercier, c'est un honneur et c'est aussi un énorme privilège. Ça fait des années que j'observe. Bon, évidemment, je suis venu chanter, j'ai participé plusieurs fois, mais d'être le parrain, c'est quelque chose de complètement différent. D'être à vos côtés, d'être ici aujourd'hui, de voir ce que vous faites, tous les efforts qui se passent pendant des mois et des mois et des mois, pendant même des années, parce que je sais que ça prend des années pour préparer certaines choses. C'est un boost d'énergie et de bonnes ondes que je suis déjà en train de sentir. Je ne savais pas ce que ça allait être. Je ne savais pas le sentiment et l'énergie que ça allait être, mais je peux vous dire maintenant, ici, en rentrant ici aujourd'hui, en vous écoutant, en sent avec cette énergie que je peux déjà sentir, j'ai eu des frissons. Donc, merci pour cette chaleur humaine que vous êtes en train de communiquer et j'espère être à la hauteur des bonnes ondes que vous êtes en train de transmettre en ce moment. Évidemment, quand je fais un truc, je l'ai dit à Laurence depuis le premier meeting, quand on fait un truc, on y va à fond. On y va à fond, sans trop se poser les questions. Évidemment, les questions intelligentes, on les pose, mais sans trop penser à les conséquences. Donc, vous pouvez compter sur moi. Si vous avez des idées, je suis là. Si vous avez des idées, traditionnellement, vous dites « Ah non, 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 il ne va jamais dire oui ». Ça, c'est les idées que j'aimerais bien entendre. Donc, je suis à votre disposition pour toutes les semaines qui vont arriver là. Et je ne plaisante pas. Donc, moi, j'ai enlevé beaucoup de choses de mon planning pour m'impliquer complètement, pour être à vos côtés. Et si vous avez des idées
complètement dingue. Ah ben, elle en a une. Quelques photos, Mika, avec les familles, ouais, avant de rencontrer les familles. Bien super. Sûr. Ok. Oui. 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 Thank you.